Combien de minutes? 2 minutes. 2 minutes. Ça va, tout ça? Prêt? Oui, prêt. Okay. 3, 2, 1, comme... Bonjour et bienvenue à SPC TV. Aujourd'hui, on va parler des jeunes et le Tour de France. Il y a quelques jours, le comité du Tour de France a sorti le route du Tour de France de 2015. Quelques jeunes qui habitent à Louvain, à Belgique, ont suivi le tour à Paris sur les Vélip. Ce sont les vélos possibles à louer en France, à Paris bien sûr. Ils commencent à la station... C'est quoi? Bonjour, avec Philippe. Quoi? Une enquête? Mais non, je suis dans la nouvelle. Je ne peux pas faire une enquête maintenant. Excusez-moi pour le dérange. Donc, il commence à la station Vélip dans le centre de Paris et après une cyclée quelques kilomètres jusqu'aux Champs-Élysées, il remonte de leur Vélip et ont posé des questions aux passants. Un reportage de Arthur de Vlier, Thomas Sauerberg, Nils Lefebvre-Teugels, Han de Wachter et Lennart Van Hee. Qu'est-ce qu'ils étaient? Ça marche pas ou quoi? Je vais chercher l'autre. C'est toujours dans la chose ici, hein? Bonjour tout le monde et bienvenue à SPC TV avec moi Lennart Van Hee. Nous sommes à Paris sur le Champs-Élysées et juste là-bas on voit l'Arc de Triomphe. Qu'est-ce qu'on va faire ici à Paris? Comme vous pouvez voir, j'ai une casquette sur ma tête. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit quiz avec des touristes aussi, avec des habitants de Paris, sur Paris et sur le Tour de France. Pendant la chanson à Paris, moi, j'ai fait un peu de culture. Bonjour tout le monde, maintenant on est juste à l'autre côté du Champs-Élysées qui est là-bas. Là-bas on voit l'Arc de Triomphe qu'on avait déjà vu quand on était là-bas à l'autre côté du Champs-Élysées. Qu'est-ce qu'on a fait déjà aujourd'hui? On a fait quelque chose avec l'histoire, un petit tour à Paris et maintenant quelque chose de très intéressant sur l'Arc de Triomphe et que c'est construit par Napoléon. Juste là-bas, vous pouvez voir toutes les places, pour mieux dire, qu'il a convaincues, comme par exemple les pyramides, Rivoli, Arcole, ou par exemple aussi Lodi ou Fleury. Ah ben je vois l'Arc de Triomphe. C'est mon jean et ma piscine. Est-ce que je peux te demander une question, s'il vous plaît? Nous sommes d'une école... Non. Et nous sommes à Paris pour une visite et nous voulons faire un petit reportage de notre voyage. Et... Non. Dommage, bon, on n'a pas trouvé des personnes intéressantes qui voulaient être filmées par nous. C'est très dommage et comme ça on a fait autre chose avec des figurants
qui ont été filmés et qui ont eu des questions très intéressantes. Merci. Ah, l'automne, c'est super. Moi, je trouve que les journalistes en France, c'est pas très bon. Non, pas du tout. Je trouve que c'est ça mieux. Encore un peu d'herbe. Notre visite du Champs-Élysées n'a vraiment pas été sans problème. D'abord, on a eu des difficultés avec les Philippes. Ce n'était vraiment pas facile de trouver un endroit où nous pouvions les garer. Enfin, quand on était finalement arrivé aux Champs-Élysées, il n'y avait personne qui voulait parler avec nous, qui voulait répondre à nos questions. Alors, on a complètement changé le plan et on s'est amusé fantastiquement en faisant ce reportage magnifique. Nous allons interviewer une personne. Donc, je cherche quelqu'un. Je suis un diplomate. Je viens de Mexique. Je suis ici pour améliorer la diplomatie à Paris. Je n'ai pas visité beaucoup de pays parce que je suis ici pour le travail, mais j'ai déjà visité, par exemple, ah voilà, le Arc de Triomphe, je n'avais pas vu déjà parce que j'étais dans mon très belle voiture. Et, le Eiffel Tower aussi. Le Eiffel Tower, oui, en Mexique, on dit Eiffel Tower. Monsieur, monsieur, non. Est-ce que je peux faire une interview? Oui. Peut-être, c'est pour l'école. Oui, j'habite à Paris depuis 5 années, je pense. Vous aimez vivre à Paris? Oui, oui, j'aime à Paris parce qu'il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de touristes et c'est une ville très sale. Donc, oui, j'aime ici. C'est quoi le plus grand atout de Paris pour vous? L'atout, je trouve que les Philippes, c'est... C'est très pratique parce que toujours quand on veut parquer un Philip, oui, c'est pas possible et alors on doit payer beaucoup. Tommy Out. Pendant notre visite à Paris, nous avons interviewé des passants. Pour arriver aux Champs-Élysées, nous avons utilisé le système Philip. C'était super pour mon niveau d'adrénaline et le chauffeur était hyper enthousiaste. Après notre expédition au centre du monstre parisien, nous avons commencé les interviews. Et là, nos amis français n'étaient pas intéressés. Et nous avons dû filmer des interviews nous-mêmes. La ville de Paris est peut-être immortelle, mais les Parisiens savent qu'ils le sont. Bonjour monsieur, on est à la recherche des personnes intéressantes. Est-ce que vous avez à dire quelque chose d'intéressant à nous? Des hobbies? Ou oui, quelque chose sur Paris, par exemple? Mon travail à mon hobby, hein. Bien sûr, je suis un prof d'histoire à Belgique. Et ah oui, j'aime vraiment venir à Paris et regarder les choses banales. Moi, j'ai vraiment besoin d'un café maintenant, parce qu'hier soir, c'était vraiment tard. Et mais pour acheter des cafés, j'ai besoin d'un peu d'argent. Et donc maintenant, je vais au banc. Très intéressant, on vient avec vous. Vous venez avec moi? Oui. Mais zut alors, je pense que j'ai oublié mon carte bancaire. Moi je pense que je suis vraiment obligé à sortir. Alors c'était une personne hyper intéressante. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous voulons faire un petit quiz du Tour de France. Oui. Tu connais le Tour? Oui, oui, je le connais. Ok, le Tour de 10014 était un succès pour les Français. Avec Tony Galopin, il y avait un maillot jeune français le 14 juillet et à Paris, il y avait deux Français sur le podium. Lesquels? Pinot et Perrault. Vraiment bien, monsieur, t'es un connaisseur. La dernière étape du Tour termine toujours ici sur le Champs-Élysées. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Depuis quand est-ce que le Tour termine sur le Champs-Élysées? 1975. Le gagnant du premier Tour de France, Maurice Garin, a été déclassé pendant le deuxième tour. Pour quelle raison? A. Il aurait pris le train.
B, il aurait saboté le vélo. Il aurait pris le train. Quoi? Oui. Il aurait pris le train. Il aurait pris le train, bah oui, c'est vrai. Donc, je pense que t'es le meilleur connaisseur de Tours d'aujourd'hui. Donc, ça... Donc, tu gagnes. Non, non, il n'y a pas un prix. Bonjour, bonjour. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Oui. D'où est-ce que vous venez? No French. D'où est-ce que vous venez? Where are you come from? Matka Russia. Russia. Pratique French, не важно. Кроме серебра. Не. Голова слабый, голова сливни брюбу. Кроме серебра, это компрессия. Тут крия. На, я где в Москве? Брескилевай. Я в Ивили. А Бурлоно, блядь, извините я. Но Кремлин. Бурлоно, братья. А приди, бродики, земли, бляди, бродики, земли, турни, земли, гля. Лозу, армовуе, ин, гер. Гер? Братский дыр, братский дыр, братский бурлоно, видимо. Ин, гер, армовуе, капут. Братский дыр. Дерибили. Merci pour avoir regardé ASPC TV et à demain.